I mean, I don't think anybody truly actually cares. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo qui va être assez spicy. On va parler des derniers dramas. Là, j'étais censée faire une vidéo sur la dernière controversie. Selena aurait shade Justin. Et là, je me réveille ce matin et je vois l'immense controverse par rapport à Selena Gomez, Taylor Swift, Kylie Jenner, Timothée Chalamet! Hey! Je me suis vêtue de ma plus belle tenue puisqu'on va parler des Golden Globes, qui est un événement assez important. Bonsoir! C'est tellement fire présentement tout ce qui se passe que même mon néon a voulu prendre feu. Ok guys, on a du thé à discuter. Là, je viens de me faire un bon café. Vous allez voir, les deux histoires que je vais vous raconter aujourd'hui ont un genre de lien, je trouve. Ça sera à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je sais plus où donner de la tête dans ma jeune carrière de journaliste à potin. Si t'es nouveau, nouvelle, je t'invite à t'abonner parce que du thé, on en a, puis des histoires assez folles. Je vais vous laisser avec professeur Sébastien Soto, qu'on aime tant sur la chaîne, par rapport à ce shade que Selena aurait laissé à Justin ce 1er janvier 2024. You opened up and talked about how Justin Bieber has had a big impact in your life. And I want to know, how would you say he's most influenced the person that you are today? I mean, I don't think anybody truly actually cares. You opened up and talked about how Justin Bieber has had a big impact in your life. And I want to know, how would you say he's most... Ce like de Selena Gomez aurait été perçu comme un shade à Monsieur Bieber par les internautes. Mais là, laissez-moi vous dire quelque chose. En voyant l'era du Golden Globes, je peux vous dire que nos girls sont dans leur villain era, dans leur era vilaine. Et je pense que l'année 2024 est about reprendre contrôle de notre pouvoir de femme, de s'annoncer et de dire fièrement « Look at her now! I'm in my villain era too! » Et j'ai pas peur de le dire. C'est pas pour rien que le film Barbie a gagné en 2023. Tabarouette! Je pense que je vais changer de chaise. Sadie, please stand up. Ok. Que le film Barbie a gagné concernant le meilleur film au box-office en 2023. C'est l'heure d'être forte! Et c'est ce que nos deux icônes, Taylor Swift et Selena Gomez, veulent nous démontrer. C'est maintenant qu'on reprend notre pouvoir. Et là, j'ai envie de faire F*** damn it! Si vous m'aimez pas, si vous m'acceptez pas, c'est votre problème. Et je pense que Selena est dans cette era-là too. Et lorsque je vois des comportements comme celui-ci aux Golden Globes, ça fait juste me dire que la société a toujours pas compris. The key moment in Barbie is when she goes from perfect beauty to bad breath, cellulite, and flat feet. Ah, or what casting directors call character actor. Character actor. Character actor. Character. Big difference between the Golden Globes and the NFL. On the Golden Globes, we have fewer camera shots of Taylor Swift. I swear, there's just more to go to here. Qu'on parle de ce petit passage aux Golden Globes ou qu'on parle de Selena qui a liké ce TikTok-là qui probablement a encore de la frustration par rapport au fait que lorsqu'elle a gagné Femme de l'année aux Billboard Awards en 2017, on l'a encore amenée à son ex. Et même pour Taylor, qui a été ridiculisée pendant tellement d'années. Et prenez compte que c'est souvent Selena et Taylor qui vont être les risées dans les médias. Juste des obsédés par leur ex. La narrative se ressemble énormément. Et c'est pour ça que je les aime autant, qu'elles m'inspirent. Elles gardent leur couronne malgré tout. Elles se supportent depuis si longtemps. J'adorerais sur Reputation, Taylor version, un genre de Taylor feat Selena. I mean, I don't think people truly actually cares. Maintenant que j'ai fait mon mot de motivation et de pim pim energy time, yeah! On va parler de la plus grosse controversy. Oh my god, guys, comme
C'est trop drôle parce que, comme vous savez, aux Golden Globes, c'était la grande première, l'apparition médiatique de Kylie Jenner, de Timothée Chalamet. J'ai vraiment de la misère à les figurer ensemble, mais c'est pas grave, gang. Si les gens comprennent pas, c'est pas grave. I mean, personne comprend cette relation-là, mais s'ils sont bien, tant mieux pour eux. Anyways, Kris Jenner a dû vivre un petit bad trip parce que, à la grande surprise, tu sais que c'est sûr que tout le monde allait parler « Oh my God, Timothée Chalamet avec Kylie Jenner ». Ben, tout ce qu'on a vu sur le web, c'était même pas ça, c'était « De qu'est-ce que les girls y ont dit ce soir-là? » Bon, donc c'est sûr que vous avez entendu parler, en fait, c'est que Selena, pendant une pause publicitaire des Golden Globes, a couru vers sa chum Taylor Swift et son amie Kaylee Perry, si je me trompe pas, l'amie de Taylor. Et là, apparemment, selon la face de Kaylee, Selena aurait dit quelque chose comme... Puis là, c'est selon les liseurs de lèvres, hein. Il y a beaucoup de monde qui se sont mis sur le cas, là. C'est incroyable. Selena aurait dit, genre, j'ai voulu approcher Timothée pour peut-être prendre une photo, mais Kaylee m'aurait dit non. Bitch, you don't sit with us. Il y a eu par la suite des articles qui disaient non, non, non. Il y a une source proche de Selena qui confirme que c'était pas de ça qu'elle parlait. Si, mettons, Selena avait approché Kylie et Timothée for a picture, vous pensez pas que les caméras qui sont autant genre intrusives dans la vie personnelle des gens n'auraient pas pris ce moment? C'est vraiment pas quoi en penser, honnêtement. Je pense qu'on s'en fout. Déjà là, c'est tellement bad que les caméras prennent tous les moments, des moments qui sont pas censés être pour le public. Je veux dire, imaginez que vous venez d'apprendre du tea, parce que du tea, il y en avait. Je peux pas le nier avec cette réaction-là, il y avait du tea. Mais imaginez, vous êtes avec vos chums de filles, puis là, genre, tu sais, quand tu viens d'apprendre un gossip, il faut que t'ailles le dire à ta chum de filles. Pis là, moi, je cours à voir mes besties. Pis là, il y a une caméra qui me filme dans mon intimité. Imaginez comment ça doit être dégueulasse le lendemain matin de justifier qu'est-ce que tu as dit à ta chum de fille. Je sais pas. Soyez prêts parce que on est juste le 8 janvier. By the way, Billie Eilish a gagné pour la meilleure soundtrack dans un film qui est What Was I Made For? C'était trop touchant, son speech, je vais vous le laisser. You know, it was exactly a year ago almost that we were shown the movie and I was very, very miserable and depressed at the time. And writing that song kind of saved me a little bit. And a year later and here we are and it's really surreal. I feel incredibly, incredibly lucky and grateful and you guys scare the living hell out of me, everyone in this room. But thank you so much. Donc, je trouve que c'est très powerful de finir là-dessus. Et j'espère que vous avez aimé. Puis j'espère que vous allez me laisser vos commentaires parce que The Tea is Teeing is Drumming. Woo! N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau ici parce que crois-moi, on va continuer de spill the tea. C'était Jordy. Et à bientôt tout le monde. Et je tiens à vous remercier tous ceux qui ont pris le temps de m'envoyer un beau message parce que moi aussi, je suis dans ma villain era puis dans ma reputation era. Donc, j'ai laissé un petit message à ma communauté récemment. Si vous êtes nouveau, vous pouvez aller voir, ça va me faire plaisir. Mais bref, je tiens à vous remercier. Vous savez pas à quel point tout ça, c'est merveilleux pour moi. Et je suis tellement heureuse de continuer l'aventure avec vous, les bitches! Bye tout le monde!